Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle présentation d'un nouveau produit. Il va s'agir de la WeThings Activité Pop. Donc avant toute chose, eh bien WeThings, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une société française, novatrice et pionnière du monde de la santé connectée. On a notamment pu découvrir, que ce soit sur le blog, mais également vous avez déjà entendu parler, des trackers d'activité de chez WeThings, notamment les fameux Pulse, ces bracelets connectés en caoutchouc qui contiennent un petit tracker d'activité que vous pouvez placer soit justement sur un bracelet ou directement dans votre poche si vous souhaitez, et qui va permettre d'enregistrer tous vos pas, votre sommeil, etc., toute votre activité. Et puis on a eu d'autres produits plus récents, notamment le WeThings Aura, qui permet d'analyser votre sommeil et d'améliorer, que ce soit au coucher ou au réveil. Donc ça, je vous le présenterai très prochainement puisque ce WeThings Aura me suit depuis quelques semaines également et j'en suis très très satisfait. On a également le WeThings Home, qui est une caméra en fait qui a de multiples capteurs et qui va vous permettre d'analyser que ce soit l'intérieur de votre pièce, mais également filmer pour des questions de sécurité. On a également la balance connectée qui, elle, existe depuis longtemps et qui va vous permettre de voir votre croissance, que ce soit journalière ou non, ou mensuelle, de votre poids. Et puis, donc, on a ces nouvelles montres qui font office de tracker d'activité. Donc ici, on est sur la WeThings Activité Pop et on a également la WeThings Activité qui est une montre plus haut de gamme. Qui est notamment, elle dispose de composants assez haut de gamme puisqu'on va retrouver notamment un verre en saphir sur le dessus en tirelire, on va retrouver un bracelet en cuir, vous allez avoir un alliage en acier inoxydable sur le contour de la montre. C'est fait par l'artisanat français, c'est fabriqué en Suisse, donc on est vraiment sur une montre très haut de gamme. Mais cette montre a la particularité d'embarquer des capteurs, de multiples capteurs, et du coup vous allez pouvoir traquer votre activité tout en ayant une montre haut de gamme au poignet. Donc ça permet de réunir le monde de la montre traditionnelle et également le monde de la santé connectée, et donc de pouvoir analyser votre sommeil ou votre activité directement depuis cette montre et également l'appli qui l'accompagne. Néanmoins, cette montre, avec ses composants très, très haut de gamme, a un prix puisqu'elle coûte 390€. Donc, c'est pas permis pour tout le monde. Tous les professionnels vont se ruer dessus. Mais en revanche, si vous êtes plutôt étudiant et que vous n'avez pas les moyens de vous payer une telle montre, WeThings a pensé à vous et a dévoilé sa WeThings Activité Pop lors du CES 2015 en début d'année. J'ai pu prendre cette montre en main lors du Mobile World Congress, et puis j'ai réussi à en avoir une grâce à WeThings, que je remercie d'ailleurs au passage, et donc qui me permet de vous présenter ce bel objet qui est une montre, comme vous le voyez ici, mais qui va également faire comme sa grande sœur, traquer toute votre activité. Alors évidemment, on est sur un modèle différent puisque là, on est sur un modèle qui coûte 150€, enfin 149,95€ pour être très exact. Mais du coup, vous allez pouvoir néanmoins traquer toute votre activité et votre sommeil. En gros, cette montre a les mêmes capteurs que sa grande sœur, la WeThings Activité, sauf que les matériaux qu'on utilise pour celle-ci sont plutôt d'entrée de gamme, de milieu de gamme, on va dire, et non pas la vocation d'être une montre très classe, très professionnelle. Mais néanmoins, vous allez voir, elle a un certain style. Et moi, personnellement, je l'utilise depuis quelques semaines et j'en suis réellement très, très satisfait. Donc, voici le packaging. Alors déjà, le packaging en lui-même est très chouette, très classe. Vous voyez, on n'a pas une montre dans une pauvre boîte en carton. Ici, elle est mise en valeur sous une cloche plastique. Vous allez avoir évidemment la mention en haut de la marque WeThings. On a également ici la mention de la gamme. Donc, on est sur l'activité pop, comme je vous l'ai dit. On a également les différentes informations sur ce qu'elle va être en capacité de traquer, cette montre. Donc, que ce soit la course à pied, la nage, votre sommeil. Et puis, elle va également faire office de réveil, comme vous allez voir tout à l'heure.
Sur le côté de la boîte, eh bien, on a d'autres types d'informations sur cette montre. Notamment ici, on a l'information sur le tracker d'activité. Donc, vous voyez ici, on a un petit cercle avec une aiguille. Et c'est en fait ce petit, cette petite aiguille qui va nous donner notre seuil pour ce tracker d'activité. Donc, on voit qu'ici, on est à 50% quand on est à la moitié. Et dès qu'on a fini, qu'on est à 100% de notre objectif fixé, on va être ici à 100% et ça va revenir à zéro et ainsi de suite. Comme ça, si vous dépassez deux fois votre seuil, vous aurez fait deux fois le tour du cadran. À l'arrière, on retrouve les différentes informations sur cette activité pop. Donc, concernant le tracking d'activité, on va pouvoir suivre les pas, la course, les calories et la distance parcourue. Concernant la natation, on va pouvoir analyser la nage grâce à l'étanchéité de l'activité pop qui est étanche à 50 mètres. Donc ça, c'est pas négligeable, notamment si vous faites de la natation, vous n'êtes pas obligé de retirer cette montre. Elle va traquer en fait toute votre activité. Elle va également analyser votre sommeil pour dormir mieux. Et enfin, on va avoir une alarme silencieuse qui va nous réveiller tout simplement en vibrant ce poignet. Cette montre a la grosse particularité, la grosse force de cette montre, c'est que vous voyez ici no charging, donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir besoin de la recharger par un cordon USB traditionnel qu'on a l'habitude maintenant, même si c'est le mot habitude me gêne beaucoup, mais c'est le cas, on a l'habitude d'utiliser que ce soit pour les smartphones mais également pour les smartwatches, puisque les smartwatches, on le sait, elles ne durent quasiment une à deux journées grand max. Et du coup, avec cette montre, ici, vous voyez, on a une batterie qui va durer plus de 8 mois d'autonomie avec une simple pile CR2025. Donc, c'est une pile de montre traditionnelle, je vous montrerai tout à l'heure. Et ça, c'est plutôt, c'est un très, très gros point, un très gros avantage de ce tracker d'activité. Et enfin, elle utilise la connectivité Bluetooth Low Energy qui nous permet de synchroniser automatiquement toutes les données sur l'application mobile. Et ici, on a donc une information sur l'application que je vous montrerai également tout à l'heure. Donc, on va vite fait squeezer cette partie-là. Donc, j'enlève le cache plastique. Donc, on se retrouve nez à nez ici avec notre montre. Donc, voici la fameuse activité pop. Donc, je vais la mettre de côté. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a dans la boîte. Donc, on a un petit livret qui nous permet de démarrer. C'est un start guide qui nous permet de démarrer avec la montre. Donc, rassurez-vous, on a différents langages, différentes langues sur ce petit fascicule. Pas besoin d'avoir 4 fascicules en 4 langues différentes. Ici, WeThings avait la bonne idée de mettre différentes, toutes les informations dans 4 langues principales, le français, l'espagnol, l'italien et l'allemand directement sur ce petit bouquin. Et évidemment en anglais au-dessus. Donc ici, vous allez avoir toutes les informations, comment utiliser votre montre, comment la recharger, ce qu'elle permet de faire, etc. etc. Je vous laisse lire tout ça si ça vous intéresse. Donc ensuite, on a notre fameuse montre ici. Et enfin, on a ce petit cache blanc. Alors, il est difficile à retirer. Voilà. Et en fait, qui a la particularité, vous allez le voir, non pas de montrer un câble de recharge, mais on a ici, voilà, cette pièce ronde avec une petite pointe que vous voyez ici, donc qui va nous permettre d'un côté de réinitialiser la montre, puisqu'on va pouvoir faire un reset, et de l'autre côté, on a ici une encoche qui va nous permettre d'ouvrir le capot arrière et ainsi retirer en fait la coque arrière de la montre pour qu'on puisse accéder à la pile. Je vous montrerai ça juste après. Donc on va parler maintenant de cette montre plus en détail, et puis je vais vous montrer également la partie application sur cette activité pop. Donc après le petit déballage en bonne et due forme, on va passer directement à la découverte de cette activité pop. Alors, avant de vous présenter en détail l'application et comment elle se synchronise, etc., comment vous allez voir toutes vos données, je vais vous parler de cette montre, évidemment. On va commencer par les dimensions et son poids. Donc, la montre, elle a un diamètre de 36,3 mm. Donc, on a un écran ici de 1,3 pouces. Le bracelet, il va s'adapter en fait à votre poignet, puisque vous le voyez ici, on a différents trous. Donc, vous allez pouvoir l'adapter parfaitement
en fait à votre poignet. Ensuite, on va donc le bracelet donc s'adapte et il fait une longueur pardon de 195 mm, donc adaptable évidemment par les petits trous que vous avez sur les côtés. Et concernant le poids de cette montre, relativement légère puisque elle a un poids de 37 grammes. Donc c'est plutôt léger au poignet. Personnellement, je l'utilise tous les jours et ça me gêne pas du tout de l'avoir au poignet. Malgré que je suis pas un grand fan des montres à la base, je dois dire que cette activité pop m'a plutôt réconcilié, et notamment du fait qu'évidemment elle traque en plus de me donner l'heure, elle va me traquer toute mon activité. Concernant les conditions d'utilisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est étanche dans l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur. Donc vous allez pouvoir comme ça l'utiliser quand vous allez à la natation, mais également à la mer, dans la mer. Il n'y a aucun problème, à moins que vous plongiez réellement profond. Mais sinon, vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les conditions. Elle va vraiment résister à ces conditions extrêmes. Ensuite, elle a un petit vibreur qui est intégré au sein de celle-ci, qui va nous permettre, par une légère vibration, de nous réveiller le matin. Donc vous allez pouvoir régler l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller. Et automatiquement, la montre va se mettre à vibrer. Et ça va vous réveiller tout en douceur. On va éviter le bruit hurlant des réveils traditionnels ou autre musique qui peut nous faire sursauter. Là, ça sera un réveil en douceur. Vous n'allez pas gêner la personne qui dort à côté de vous, puisque celle-ci va vibrer tout simplement très doucement, mais assez pour vous réveiller, puisque vous allez sentir quand même une petite vibration. Et enfin, on a différents capteurs. On a les capteurs de mouvement, que ce soit de jour et de nuit. Donc, ça nous permet de capter notre activité journalière, que ce soit en journée, mais également la nuit, lorsque vous allez être en mode sommeil et vous êtes couché. Cette montre va être en capacité d'analyser votre sommeil. On a également un accéléromètre triaxial MEMS, de haute précision. Donc, ça va nous permettre d'avoir le calcul du nombre de pas, et si vous avez gravi des marches, etc. En revanche, on n'a pas de puce GPS intégrée, donc vous n'allez pas pouvoir définir exactement où vous étiez quand vous avez couru, mais néanmoins, vous allez pouvoir quand même avoir un calcul très précis de vos pas. Et enfin, et surtout, elle est économe en énergie, puisqu'on a du Bluetooth Low Energy, donc ça se connecte uniquement quand elle a besoin d'envoyer les données. Le protocole demande très peu d'énergie, donc ça va être très simple à utiliser et surtout très intéressant. Et c'est ce qui permet justement d'avoir une autonomie, en plus de ne pas avoir d'écran, d'avoir une autonomie de 8 mois. Voilà un peu pour la découverte au niveau caractéristique de cette montre. Je vais vous la présenter un peu plus en détail évidemment. Donc ici, on est donc sur la face avant, on a les aiguilles, vous voyez ici, de l'heure qui tournent évidemment, vous l'avez vu bouger. On a également la mention Wi-Fi Activity Pop à l'arrière de celle-ci. Et enfin, on a un petit cadran à l'intérieur qui lui nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de traquer toute votre activité et surtout d'avoir un visuel constamment sur votre objectif où vous en êtes. Donc là, vous voyez, j'en suis pas à beaucoup, je suis à peu près à 15% de mon objectif. Sur les 10 000 pas, je n'ai fait que 1500 pas dans cette journée. Ça me dit qu'ici, je dois me bouger jusqu'avant ce soir si je veux arriver à 100% et donc du coup atteindre mon objectif avant le soir. Concernant sa conception, on a un verre ici qui est légèrement bombé, comme vous pouvez le voir ici à la caméra. Ça nous permet à ce que cette montre soit non pas avec un verre Gorilla Glass ou autre verre de saphir comme la montre activité, mais néanmoins elle va être résistante aux rayures grâce à ce petit léger bombage. Elle ne frotte pas directement sur des vêtements ou quoi que ce soit, et du coup, elle permet d'être assez résistante. Alors évidemment, il ne va pas falloir passer un coup de couteau dessus, mais néanmoins, elle permet d'être assez résistante. Vous voyez ici, je l'ai depuis 2 mois, un mois et demi, et du coup, vous voyez, il n'y a aucune rayure sur l'écran. Celui-ci est très chouette, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Concernant la conception du châssis, on est sur un châssis en acier. Alors on n'est pas sur le acier haut de gamme comme on peut avoir sur le modèle activité traditionnel. Néanmoins, celui-ci est plutôt convenable. L'épaisseur de la montre,
Alors certes, il peut paraître un peu épais pour certains, évidemment. Néanmoins, en ce qui me concerne, je ne trouve pas ça tellement grossier. Vous voyez, au poignet, la montre est relativement discrète. On ne peut pas dire que celle-ci soit vraiment grossière. Voilà, après, ça sera les goûts de chacun, évidemment. Néanmoins, moi, je n'ai pas trouvé cette sensation de grosseur. Concernant son capot arrière, justement, celui-ci, eh bien, va nous permettre de réinitialiser en fait notre montre. Donc ici, vous avez un petit bouton. Alors voilà, on a un petit bouton. Il suffit avec l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure d'appuyer dessus et automatiquement, eh bien, votre montre va se réinitialiser. On a également ici la trappe qui nous permet, eh bien, d'ouvrir le cache. Donc pour accéder. Alors attendez, hop. Pas de bêtises. Voilà. Donc, on peut retirer ici donc le cache arrière. Automatiquement ici, vous voyez, on a accès directement à la pile. Pas de surcouche supplémentaire. Et donc cette pile, eh bien, c'est une CR2025, comme vous voyez ici, de 3 volts. C'est une pile classique de montre. Et vous allez donc pouvoir la remplacer très facilement. Vous achetez une pile comme ça un peu partout et surtout ça va durer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 8 mois d'utilisation, et ça c'est plutôt sympa. Donc évidemment je ne peux pas vous garantir que ça dure 8 mois parce que ça ne fait pas 8 mois que je l'ai, mais néanmoins, eh bien, c'est ce que promet WeThings et j'en doute pas une seule seconde que ça sera le cas. Concernant les bracelets, eh bien, on va avoir des bracelets en caoutchouc et non des bracelets en cuir comme sur le modèle haut de gamme. Évidemment, on n'est pas sur la même gamme de prix. Donc du coup, il a fallu faire quelques économies. Ces bracelets en caoutchouc, eh bien, vont être très pratiques, notamment lorsque vous prenez une douche, lorsque vous allez dans l'eau, puisque elles vont, eh bien, ils vont résister parfaitement à ces conditions. Le plastique en lui-même est plutôt souple, plutôt agréable. L'effet texturé arrière, ici, malgré ce qu'on pense, eh bien, ça permet d'avoir un grip au poignet. Du coup, elle permet d'être parfaitement maintenue en place. Ces bracelets se changent. Vous voyez ici, on a des petites trappes, hop, que je glisse et automatiquement, eh bien, je peux retirer mon bracelet. Du coup, ça signifie que je peux le remplacer à volonté. Alors, WeThings commercialise différentes coloris de bracelets, mais également de montres. Vous allez pouvoir en trouver notamment, eh bien, en bleu et bien d'autres couleurs. Et du coup, vous allez pouvoir remplacer ce bracelet à volonté en fonction de vos humeurs du jour. Par exemple, vous pouvez mixer évidemment le même châssis en noir avec différents types de bracelets. Et vous allez pouvoir donc comme ça mettre des bracelets comme bon vous semble. Vous allez également pouvoir mettre un bracelet métallique si ça vous chante, même s'il va falloir trouver quelque chose de relativement chouette pour que ça aille avec le coloris de la montre. Mais en tout cas, sachez que c'est possible. Vous pouvez les remplacer à volonté. Ce sont des bracelets traditionnels de 22 mm, donc vous allez pouvoir les changer comme bon vous semble. Concernant l'attache, eh bien, on a une attache ici plastique, traditionnelle, et on a donc ces fameux multiples trous sur le bracelet, donc qui va vous permettre, eh bien, d'adapter cette activité pop en fonction de votre poignet. Donc je pense avoir fait le tour concernant, eh bien, l'esthétique de cette montre. Maintenant, je vais vous préciser plus en détail les données suivies. Alors même si je l'ai fait tout à l'heure assez rapidement, je vais quand même les rappeler. Donc on a le nombre de pas effectués qui vont être traqués. On a également la distance. Donc ça, c'est en fonction du profil de l'utilisateur, évidemment, pour que ça soit plus juste. On va également traquer le nombre de calories. Donc ça va être défini non pas sur la montre, vous n'allez pas pouvoir le voir sur la montre, mais sur l'application qui l'accompagne. Donc vous allez pouvoir suivre ça parfaitement de manière journalière. On a également un suivi de la course à pied, de la natation. Ça détecte automatiquement le sport que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de courir, automatiquement WeThings le détecte et va se mettre en mode entre guillemets course à pied. Et puis si vous faites de la natation également, ça permettra d'avoir les informations. Il faut savoir que cette fonctionnalité sera disponible fin avril 2015, après une mise à jour évidemment du micro-logiciel, donc de la montre. Eh bien, ça permettra d'analyser si vous êtes en train de faire de la natation.
Et enfin, on a l'analyse du sommeil, le temps qu'on a mis pour s'endormir, la durée et évidemment les cycles, que ce soit un sommeil léger ou profond, vous allez avoir toutes ces informations. Et si vous vous réveillez dans la nuit, vous allez également avoir ces informations depuis l'application. Donc justement, en parlant d'application, puisque j'en parle depuis un petit moment, cette application que voici, Quick Things, voilà. Donc voilà, je vais zoomer en arrière, ça va être plus simple. Donc voici l'application. Donc là, je suis sur la page évidemment d'accueil de l'application. Évidemment, j'ai déjà relié en fait ma montre à mon smartphone. Donc vous allez pouvoir depuis l'application aller dans vos appareils et vous allez pouvoir ajouter très simplement ici. Je fais un plus. Dès que vous avez l'activité pop, vous cliquez dessus. Alors là, vous voyez, en plus, on a tous les multiples coloris. Donc voilà, c'est très sympa. Vous voyez, il mixe, par exemple, une montre bleue avec des bracelets bleu ciel. Enfin, voilà. Vous pouvez comme ça mixer un peu les coloris de votre montre. Et donc, il suffit de commencer l'installation et automatiquement, ça va vous permettre de synchroniser votre montre avec votre application. Et une fois que c'est fait, elle va apparaître ici dans mes appareils et automatiquement j'ai mon appareil qui se trouve enregistré dans mon application. J'ai le numéro de série, je peux également calibrer les aiguilles si elles sont désynchronisées, etc. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous laissez votre montre se synchroniser avec votre smartphone. Donc dès que vous allez sur l'application, automatiquement celle-ci va se synchroniser avec la montre, va récupérer les données en temps réel. Vous pouvez également faire un slide vers le bas comme ceci et automatiquement elle va essayer de se synchroniser avec votre montre et voir si il y a de nouvelles informations à recueillir. Donc la première chose que l'on voit ici, c'est le nombre de pas effectués. Donc il y a 51 minutes que ça a été synchronisé, j'avais fait 1513 pas, j'étais à 15% de mon objectif. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit 15%. J'étais vraiment à 15% sur les 10 000 pas à proposer. On a une petite courbe ici qui nous donne les informations de mon activité. On a également ensuite sur la timeline en dessous, alors on a les informations par exemple hier, donc j'ai fait 7102 pas. Donc on voit qu'il y a un pic en fait rouge ici où j'ai fait une grosse activité. Donc c'est tout simplement parce que je me suis mis à courir. Donc là, il a calculé la course à pied, donc 4 km 1, les calories brûlées, la vitesse, le temps par minute. Donc vous avez toutes ces informations qui sont recueillies directement sur la montre. Je vais également avoir donc la distance que j'ai parcourue, le nombre de dénivelés s'il y en avait, et les calories actives, donc celles que j'ai dépensées avec la marche, et également mes calories journalières qui sont calculées en fonction de mon poids, de ma taille, etc., puisque vous dépensez des calories de toute manière journalière sans faire d'effort, en restant votre métabolisme en brûle automatiquement. Et donc du coup ici c'est calculé en plus de mes calories actives. Donc vous allez comme ça pouvoir parcourir chaque jour. Donc vous allez avoir toutes les informations de vos journées. Par exemple ici, on voit différentes activités. Dès que par exemple vous faites, par exemple on a du sport qui a été détecté, donc on a de la course à pied, donc là, grosse intensité sur de la marche, donc 13 000 pas, donc j'ai dépassé mon seuil. Vous voyez ici, j'ai un objectif de 135%. Ensuite, avec cette, on va également analyser le sommeil. Alors le sommeil va être un peu biaisé avec la montre, parce que vu que j'utilise le WeThings Aura, donc il me permet de calculer justement le sommeil. C'est un peu dommage parce que vous n'allez pas réellement voir, je ne vais pas pouvoir réellement vous montrer le sommeil qui est calculé depuis la montre, mais en tout cas sachez que vous allez avoir toutes les phases. Alors si je vous montre un sommeil, donc alors attendez, comment je peux faire ça? Je vais essayer de vous en retrouver un où je l'avais. C'est pas gagné. Voilà. Hop. Donc là, on a par exemple l'analyse du sommeil. Donc là, c'était un peu plus long. Donc on a
sur les jours, en fonction des jours, eh bien, évidemment, vous pouvez vous mettre en mode jour, hein, il n'y a aucun problème. Et en fait, vous allez pouvoir analyser votre sommeil, donc la durée totale de votre sommeil, l'objectif en fonction de ce que vous vous êtes fixé, le temps que vous avez été au lit, le temps que vous avez mis pour vous endormir, le temps d'éveil et combien de fois vous vous êtes réveillé. Vous avez ensuite en bas les différents cycles, donc éveillé, léger, profond. Et là, donc, c'était une très bonne nuit. Voilà. Vous allez comme ça pouvoir calculer, en fait, avoir toutes ces informations en fonction de votre sommeil. Vous allez pouvoir également régler votre alarme, tout simplement depuis l'application, donc à l'heure à laquelle vous voulez que votre montre vibre. Il suffit de cliquer dessus et automatiquement ici, vous réglez l'alarme. Et celle-ci, eh bien, va se mettre à vibrer. Donc je vais mettre un nom parce que moi, je ne veux pas qu'elle me réveille. Et puis, donc là, on a le poids, etc. On a toutes ces informations-là. Donc voilà, ça se synchronise directement. Vous allez avoir toutes ces informations en direct. Sans aucun problème. Je pense avoir tout dit sur cette activité pop. Évidemment, si vous avez, comme d'habitude, des questions ou des remarques sur celle-ci, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Si également vous avez vous voulez l'acheter et que vous avez des interrogations avant de vous jeter à corps perdu, eh bien allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, moi personnellement, j'aime vraiment ce produit. Elle ne me quitte pas au quotidien. Je l'utilise tous les jours depuis pratiquement 2 mois. C'est mon tracker d'activité préféré, dans le sens où voilà, je ne suis pas avec un bracelet plastique. Néanmoins, quand je vais courir, eh bien, évidemment, je prends une montre un peu plus précise avec un GPS intégré, etc. Mais en tout cas, cette montre, ne serait-ce que pour mon activité quotidienne, eh bien, elle me permet de la surveiller. Et puis, ça me permet, eh bien, de me donner un petit coup de boost le soir quand je vois que je suis pratiquement mon objectif. Hop, je sors les baskets et c'est parti, on y va. Donc là, vous voyez, je suis à 1500. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais sortir la basket, on va courir et c'est parti pour atteindre mon objectif. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas. Il y a les réseaux sociaux, etc. Tout ce que vous voulez, que ce soit les commentaires également. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment un nouveau produit Withings qui sera le Withings Aura. Voilà, allez, au revoir.